Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler des blessures émotionnelles. Que sont les blessures émotionnelles? Le concept des 5 blessures de l'âme. Eh bien, il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et cela a initialement été mis en lumière dans les travaux de recherche d'un grand psychiatre américain, John Pierakos. Il a été le premier à les identifier, à les répertorier et à les observer, et surtout à faire le lien très important entre les blessures intérieures et l'apparence humaine. Ce sont de petits ou grands traumatismes, n'est-ce pas? Des expériences difficiles, douloureuses et parfois banales que nous avons vécues entre notre conception et l'âge de 6 ans environ, et qui ont laissé une forte empreinte qui nous fait surréagir lorsqu'elle se réveille en certaines situations. Ce sont en général, nos parents qui les ont involontairement, générés, mais eux-mêmes ont très souvent été blessés par leurs propres parents et ne font que reproduire ces schémas en toute inconscience. On ne doit pas leur en vouloir. Et cette chaîne de souffrance, blesse une génération après l'autre depuis les origines de l'humanité. En tous les cas, pour ma part, nous avons choisi nos parents avant de nous incarner. Pour différentes raisons, n'est-ce pas? Mais notamment parce qu'ils nous feront vivre certaines expériences diverses et variées, certaines difficiles, propres à réactiver ces blessures, ce qui est une première étape intéressante, n'est-ce pas? Pour les explorer et surtout pour les dépasser, pour les transcender. Nous sommes revenus sur Terre pour transcender nos distorsions. Alors, si par exemple, dans vos différentes vies, vous aviez une blessure d'abandon, vous, c'est-à-dire votre âme, vous choisirez de vous réincarner dans une famille négligente, ou au moins avec des parents qui ne vous donneront pas toute l'affection et l'attention dont vous avez besoin pour vous construire. Ce faisant, vous vous trouverez dans les conditions idéales pour que cette blessure d'abandon se réveille à nouveau en vous, jusqu'à ce qu'un jour, vous décidiez de libérer ce rejet, cet abandon. Parce que vous allez être tellement fatigué de souffrir de cet abandon que vous allez travailler pour la libérer. Regardons maintenant les différentes blessures qui existent. Et pour cela, il peut être utile de noter les différentes caractéristiques des blessures qui résonnent en nous. Plus nous cernerons nos système, plus nous reprendrons pouvoir sur eux et plus ceux-ci perdront de leur puissance. Tout ça n'est pas facile, n'est-ce pas? Les blessures d'enfance représentent un sujet si vaste qu'un tome entier serait nécessaire pour parler d'une seule d'entre elles. Ici, je me contenterai
de vous donner une petite introduction de chaque blessure. Donc, il existe 5 grandes blessures. En 1, nous avons le rejet. En 2, l'abandon. En 3, l'humiliation. En 4, la trahison. Et en 5, l'injustice. En 1, la blessure de rejet, c'est la première. Elle survient entre le moment de la conception et la naissance. Elle touche les âmes qui considèrent, à tort ou à raison, qu'on ne les a pas réellement désirées. Parmi les cas courants, eh bien, on trouve des bébés non voulus, ceux issus d'avortements manqués ou dont les mères étaient malades eh bien, pendant la grossesse. Et c'est ainsi que le rejeté va s'accrocher à cette fausse croyance « Je ne mérite pas la vie ». On imagine, n'est-ce pas, aisément, eh bien, quelle sorte d'existence se construira cette personne ayant cette conviction. C'est douloureux d'avoir cette conviction. Nous avons en deux la blessure d'abandon. Elle est générée entre la naissance et l'âge de 3 ans. Elle frappe les enfants considérant, à tort ou à raison encore une fois, n'avoir pas reçu tout l'amour, toute l'affection et l'attention dont ils avaient besoin pour leur développement. Notons que les blessures d'enfance sont quelque chose de très subjectif, n'est-ce pas? Bien des parents dispensent à leur enfant toute leur affection et pourtant, dans l'âme, ces derniers considèrent finalement en avoir manqué. Les enfants, voyant subitement arriver un petit frère ou une petite sœur, peuvent être touchés par une blessure d'abandon. Tout comme les enfants ayant été séparés de leur mère dans les 24 premières heures suivant la naissance, comme cela existe encore à la maternité. Nous avons en 3 la blessure d'humiliation. Et elle apparaît entre 6 mois et 3 ans aussi, c'est-à-dire lorsque les fonctions de l'enfant pour l'amener à plus d'autonomie apparaissent. L'enfant commence à vouloir manger seul, à marcher, etc. En fait, eh bien, il prend conscience de ne pas faire qu'un avec sa maman, avec qui il était jusque-là, en fusion, on peut le dire, hein. La blessure commence lorsque, dans ce parcours vers l'autonomie, l'enfant, son corps ou une de ses fonctions n'ont pas été respectées. Alors, petit exemple, l'enfant commence à vouloir contrôler ses sphincters, mais il fait dans son pantalon et on le réprimande à cause de cela. Eh bien, cela me fait penser à une maman qui racontait toujours fièrement que son fils était propre à seulement 6 mois. Eh bien, cette maman l'avait contraint en l'habituant à faire ses besoins une fois sur son pot uniquement. Au bout du compte, et cette personne est la seule de notre famille à souffrir d'une blessure d'humiliation, et ce, car son rythme naturel d'enfant, eh bien, n'a tout simplement pas été respecté. On a en 4, la blessure de trahison. Elle apparaît entre 2 et 5 ans, l'étape où se développe le complexe d'Œdipe. À ce moment, l'enfant a une grande, grande confiance en ses parents et il s'estime parfois trahi à l'arrivée d'un petit frère.
lors d'abus sexuels ou d'actes de violence. Une promesse importante à ses yeux, eh bien non, n'ont pas été tenues. Cela peut aussi générer ce type de blessure. Et nous avons la cinquième, la dernière, la blessure d'injustice, et elle se crée entre 4 et 6 ans et touche des enfants qui considèrent, à tort ou à raison, encore une fois, qu'on ne les a pas laissés être eux-mêmes. À la naissance d'un petit frère, on leur a, par exemple, demandé de faire moins de bruit, de prendre moins de place qu'auparavant, d'être un exemple pour le nouvel arrivé ou de prendre trop de responsabilités. En résumé, trop peu de place a été laissée à leur individualité pour s'exprimer. Cette blessure peut également être le fait de parents contrôlants, entre parenthèses, qui font du chantage ou qui menacent leurs enfants. On en croise parfois dans les parcs de jeux. Un enfant qui est en train de s'amuser et soudain, il demande quelque chose ou se met à pleurer et ses parents répondent quelque chose comme « si tu n'arrêtes pas de pleurer, on s'en va. » Adultes, ces enfants risquent fortement d'avoir des problèmes avec le plaisir, lequel est au cœur de leur blessure. Tout ça n'est pas facile à transcender, ces 5 blessures émotionnelles, n'est-ce pas? Eh bien voilà un petit résumé des 5 blessures émotionnelles. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle capsule. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour la dernière semaine, la quatrième semaine de ce mois de juin 2023, la dernière, et nous sommes lundi 26 juin. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un très joli week-end. On va terminer, n'est-ce pas, avec guérir de ces blessures émotionnelles. Et on terminera avec le petit oracle des fées. Avant de commencer, univers infini, ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux, amour, santé, finance et juridique, dans un délai le plus bref, ici, bas et maintenant, que cela soit ainsi. Vous répétez 3 fois, univers infini, ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux, amour, santé, finance et juridique, dans un délai le plus bref, ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. Je vous laisse faire la 3e fois. Aujourd'hui, j'ai pigé la rigidité. La rigidité, c'est le masque ou la personnalité, n'est-ce pas, de la blessure d'injustice. Et elle se crée à cause, de la croyance selon laquelle vous devez être parfait pour être accepté. Mais posez-vous la question, accepté de qui? Des autres, oui. Mais la première non-acceptation est celle de vous-même. Son origine vient du regard extérieur, des règles trop lourdes, des contraintes, des responsabilités, des exigences vécues, dans votre enfance et qui vous ont donné l'impression et par la suite,
et bien la certitude que vous avez besoin de contraindre la vie en vous, la joie en vous, la spontanéité en vous. Et c'est comme cela que vous êtes devenu rigide. Nous le sommes tous d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Notre regard est bien sur la vie, nos croyances, nos peurs. Ne sont-ils pas conditionnés par des visions archaïques sur nous, sur les autres, sur la vie? Comment cela parle-t-il de vous? Qu'est-ce qui résonne en vous quand vous écoutez le mot « rigidité » Est-ce que cette rigidité vient de vos croyances? De ce qu'on vous a inculqué, vos parents, vos grands-parents, les instits? Alors la rigidité, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, eh bien, va créer de la dureté en vous et va solidifier la vie en vous, en lui enlevant, eh bien, une partie du mouvement. Que faire? Que faire dans ces cas-là? Acceptez-vous? Acceptez que vous soyez déjà parfait comme vous êtes. Bien sûr, n'est-ce pas, vous continuerez à évoluer. Et chaque fois, eh bien, vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Vous êtes et vous faites à chaque fois de votre mieux. Il faut que vous le sachiez, ça. Il faut vous le dire. Avec vos lumières, avec vos ombres, avec votre amour, avec vos blessures, avec votre confiance et aussi avec la peur. Vous faites de votre mieux. Vous savez, tout ça, eh bien, c'est le résultat de votre histoire, celle de cette vie et celle de votre âme. Sortez des routines, des disciplines que vous vous imposez et autorisez-vous à chanter fort, à danser, que vous sachiez le faire ou non, à faire de nouvelles choses, à changer d'avis. Ouvrez-vous à la vie, laissez ces anciennes croyances derrière vous. Sortez de cette routine que vous vous imposez vraiment, et qu'il n'y a plus lieu d'être. Alors, aujourd'hui, vous allez vous dire, je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. Je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui, ici et maintenant. Je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. Je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Et je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne et que vous pouvez tout changer dans votre vie. Vous êtes seul maître à bord. Personne d'autre peut prendre des décisions à votre place. Très beau message. On termine par le petit oracle des fées. La Dame Blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Eh bien voilà, une belle synchronicité, n'est-ce pas ?
Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.